Non! Non. Non, 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 non. J'ai été trop greedy avec les coups. Ouais, on va charger la sauvegarde. J'ai été trop greedy. Elle était quasiment morte et j'ai vu que mon endurance était très basse. J'ai été trop greedy. Putain, mais je joue à Dark Souls, bordel. Je devrais le savoir de ne pas faire ça. C'est un marathon, c'est pas une course. C'est un marathon. Toujours. Ah la vache. Du coup, je sais plus où on... à quel moment on est là. Ouais, non, je fais pas une résurrection là-bas. Ah oui, ouais, c'est le burger du bœuf en fait. Non, on va pas faire une résurrection. Parce que je me retape pas tout le chemin comme ça là. Non, non, non. On est dedans, on y reste. En plus, je vais crever à me retaper le chemin. Il y a plein de fois en fait j'aurais pu juste recharger la sauvegarde, je l'ai jamais fait. De tout le jeu c'est la première fois que je le fais. Maintenant je me rends compte que je me suis fait chier pour rien. Oh là là, vas-y ramène-toi. Mais vous allez voir que là elle va pas être stuck. Hein. Certain qu'elle est pas stuck là. Qu'on va devoir la combattre legit et tout et avec les petites et tout quoi. Je vais passer un bon moment. Putain de merde. Tastes good. Il me tape dans le cul. Là, vous avez pas l'air con là. Hein. Abruti de moustique de merde. Ah, j'ai vraiment été nul. Honnêtement, j'ai vraiment été nul. Là, c'est 100% ma faute hein, que je sois mort sur elle. 100, 200% ma faute, quoi. C'est abusé. Le fait de trop avoir voulu la rush, alors qu'elle était morte. Hein. Elle était morte, soi-disant. Elle était complètement morte. Mais voilà, j'ai trop voulu la finir vite. Puis voilà, ça m'a tué. C'est complètement ma faute. Bon, let's go, les petites. Quoi ce bruit? Bon, ce cas, on s'en fout. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'elle était pas stuck. Faut que je poule les petites en fait. Vas-y, ramène-toi toi. Très bien. Viens, 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 viens. C'est chaud, hein? Ok, une, deuxième. Ah, mes mutations! J'ai pas changé mes mutations. Attends, 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 attends. J'ai pas changé mes mutations.
Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que les dégâts critiques, ça aide quand même. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Alors maintenant, après, si elle vient dans le tunnel avec moi, honnêtement, on la fait legit, ça passe. Hein. Si elle vient seule. Non, faut que je m'éloigne parce que sinon les petites elles vont venir en fait. Oh mon endurance, j'ai merdé. Ça va. Je crois qu'elle est réglée pour pas aller. Putain. Dans la merde. C'était quoi cette attaque? On dirait que son... C'était quoi cette attaque de merde? On est d'accord que là, elle a tapé deux fois plus vite. Par contre, je me suis fait choper par les petites en même temps. Oh la vache, oh, ça m'énerve. Faut que je... ça va. J'allais dire, faut que je sauvegarde devant elle, mais c'est bon. Oh là là! Elle était bien là. Mais il y a 4 petites qui sont venues en plus. Donc faut la poule en fait très loin, ou alors il faut poule les petites en premier. Genre, je voudrais bien qu'elles viennent elles. On peut peut-être poule les petites en fait. Ah là là, je suis dégoûté. Parce que là, le coup, il était trop accéléré, en fait. Black Widow, this is not a drill. J'ai vu ça. Merde. What the what? It's a Black Widow! Bon, on va faire ça. Oui, là, elle fait. Là, c'est la vitesse normale. Quoi.
Qu'est-ce que j'ai? À pas bloquer. Non mais là tu me fais chier parce que les petites elles vont venir. Dans la merde avec mon bouclier, moi. Ça va. Elle est morte. Elle meurt dans l'eau, ça pète. Butin d'insectes endommagé par l'eau. Ah. Ok, c'est pour éviter que tu... Parce que j'avais vu ça sur les... oh mon dieu de merde. Oh là. Vous vous rappelez, on avait vu ce message quand il y avait des mouches qui étaient des mouches corrompues là, modifiées là, infectées, qui étaient tombées dans l'eau. Mais bon, je pensais que c'était que pour les mouches en fait. Mais en fait, non, 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 c'est pour éviter de. Du coup, de. D'exploiter le truc, quoi. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est juste. C'est juste une veuve noire, honnêtement. Il y en a d'autres. On a déjà combattu plein. Donc, c'est pas grave. Mais à un moment, je me disais, c'est pas possible de la faire tomber en fait, parce qu'elle était tellement. Reculer, bon après c'est une araignée, hein. Bah, elle s'accroche hein, aussi au décor et tout ça. Mais je me suis dit, c'est impossible en fait de la faire tomber, mais bah, au final si. Si, c'est complètement possible. Donc du coup c'est bien. Elle nous a coûté quand même cher en soins. Donc That was refreshing. Donc ouais, let's go. Mais bon, voilà, du coup, on n'a pas eu les loot. Enfin, c'est chiant, quoi. Alors, on peut pas tout avoir, hein. Où on combat les djinns. Après, j'ai pas fait exprès hein, de la faire tomber. Hein. C'était pas voulu. Hein.
c'était vraiment, vraiment pas voulu, mais... Mais ouais, ça arrive. Du suprême. Je reste avec mon armure. Hein. Il y en a encore, putain. Vous avez qu'à juste à regarder les... Oh mon dieu, combien il y en a. Les yeux rouges. Oh la vache. Encore heureux qu'on a une bonne armure. Ça va, on a du soin encore. Il y en a encore une. Par contre, j'ai du mal à voir. Ok. J'avance avec le bouclier levé. Vas-y, je vois Dark Souls. C'est reparti, encore du poison, parce que sinon c'est pas fun. Je vois que dalle. Ouais, non, mais par contre là ça tient. Nice and safe. Me dis pas qu'il y en a une deuxième. Hein. Mais je crois que là c'est fait exprès pour l'histoire, là, c'est juste. C'est genre boss de fin. Oh la putain, casse-toi, allez-toi. Can't move. Ah putain. On arrive à quelque chose. Est-ce que t'es... Ok. Gonna have a look around. On a un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est de l'eau qui tombe, ok. Oh! Quoi ce lag? Par contre je veux bien aller récupérer l'eau. Goutte de rosée. Tastes good. Là, c'est nickel. Ah oui, mais attends, elle est tombée. Ok. C'est bon, là. On a 5 charges encore d'eau, ça va. On a trouvé le laboratoire, explorer, ça marche. Look at this nerd pad. Dr. Tully's gotta be here. Est-ce que t'écoutes les enregistrements quand on les découvre, mec? Parce que, t'inquiète pas que le docteur, tu vas pas le trouver. Defeat. Failure. Countless infusions. Countless migraines. I'm so shriveled now, I can barely walk. And the true origin of raw science? An enigma.
A mystery box with no lid. I don't think I have much longer. It is hard to think straight. I am so tired. I have only one option that remains. One last toss of the proverbial dice. Commence Project Mant. Donc il s'est vraiment injecté du produit, enfin de la science et tout ça. Oh, les photos, elles sont dégueulasses par contre, elles sont horribles quoi. Ouais. Mais c'est méga... Ouais, non, mais c'est méga violent, en fait, l'histoire du jeu. C'est incroyable. Donc, du concentré... de blast, vapeur, je sais pas quoi, de science... radiation gamma, du jus de berry... donc... tu mets ça dans son corps, tout dégueulasse, et après, en théorie, tu devrais avoir ça. Honnêtement, j'y crois pas, mais ouais. Je pense pas que ça soit un mec genre super bien et tout ça. Je pense que ça doit être un monstre. Bon, par contre, faudra avancer parce qu'on a toujours notre buff là de... Oh là là, ça va être un boss quoi. Faut peut-être vider un peu l'inventaire, non? J'ai la pile suprême en quart. Du coup, je peux prendre l'arbalète ou pas? Yes. C'est quoi ce bruit? Ok, on a encore un écarpe. C'est quoi ce truc? Endurance de combat. On peut dormir ici si on veut. Oh. Ça, le sel, je prends. Dormir ici, ça va pas nous aider. Ça va vraiment pas nous aider, honnêtement, donc... Bon, on va voir. Dis-moi qu'il y a une entrée là pour... genre la... Putain. Ah, la vache. Ah, putain, je vois rien. Non, non, non. Cadavre de Fourmand 06, laboratoire sous le cabanon de Winter Tully. Le projet Foreman. Perte musculaire.
Liaison déjà musculaire carbone, c'est presque tous les domaines. La perte musculaire au fil du temps continue d'être un effet secondaire malheureux. Il semble que le corps se nourrisse de protéines enzymatiques des germes. J'ai introduit des actions contre cette dégradation. Succès, plusieurs excroissances fongiques se sont développées sur la carapace du cadavre, mais la perte musculaire semble s'être atténuée. Le vaisseau est stable à la 24e heure. Miraculeusement, le système digestif semble faire des heures supplémentaires. Cela a produit un excrément visqueux et vert de l'extrémité du système. Comme solution temporaire, j'ai habillé le vaisseau avec mes vieux sous-vêtements. Avec un peu de chance, je pourrais conclure mes expériences avant d'être à court de slip kangourou. Ah, mais du coup, c'est lui. Ouais, la statue. Ah, mais c'est quoi? C'est une mantis? On appelle ça une. Bah, si, c'est ça? Les machins qui coupent la tête là, des mâles. Formal science condensée. Voilà, c'est la science condensée, c'est ça qui s'est injecté. Science condensée produite par le mixeur devrait fonctionner comme l'agent de liaison parfait pour cette merveille anatomique que j'ai créée où la carapace rencontre les muscles. Où les mandibules deviennent des orteils. Il est à noter que la science cornée d'évolution spongieuse de cette particule miraculeuse. J'essaye de lire vite en même temps parce qu'on a les stats et tout qui baissent. Les implants faibles, puissants, je ne veux pas trop cuire la science. Échec, les paramètres d'alimentation réduits sont instables. De nombreuses substances interpestives ont frit plusieurs des sections les plus tendres du réceptacle. L'odeur est presque insupportable. Heureusement que Burke n'est pas là pour être témoin de mes priêtres. Piètre, pardon. Compétence culinaire. Il ne me lâchera plus jamais. Retour à la case départ. Il est temps d'assembler un autre cadavre. C'est chaud. Project Mant is nearing completion. The first good news in as long as I can remember. Perhaps my previous failures have all led to this point. Wendepunkt, my defining moment. This new body will allow me to continue my research. I've created a super scientist. My checklist is complete. Consciousness transfer procedures will now begin. What's this? Brainwave functions are spiking. Impossible. Oh, blasted hominid tech. Turn it off. Turn it off. Note to self. Check soldering on the relay diodes of the neural displacer. Again. Yes, again. Mais il s'est fait ça à lui ou il a vraiment assemblé? Je comprends pas. Ou il a fait un monstre en fait. Je sais que j'arrive pas à comprendre. Bah, sûrement on va avoir la réponse bientôt, je pense. Bon, j'ai trouvé de la nourriture, ça c'est bien, ça redonne de la vie. Donc ça c'est cool. Ok, on a ouvert la porte. All geared up. Oui, oui, oui. On a encore de l'eau, on a encore un repas, ça va. Oh. Et c'est numéro 1. Succès partiel. J'ai pu piloter le foreman en position couchée, y compris l'articulation des doigts pendant plus de 4 minutes. C'était une expérience. Donc il le contrôle en fait, c'est ça qu'il voulait faire. Un affichage presque numérique à base de pixels, lavé dans les spectres de couleurs inhabituelles. L'articulation des jambes a été plus difficile que prévu. D'autres greffes de germes musculaires doivent être programmées avant de commencer un autre essai ambulatoire. Mes proverbiaux petits pas ne sont plus qu'une question. C'est ouf. Hein.
Fibre zippée. Phase intermédiaire, j'ai réussi à transplanter plusieurs glandes épineuses de tissu d'orbe locaux dans le cadavre de Foreman. Bien que le corps n'ait pas l'abdomen arachnide, je me suis inspiré de diverses espèces d'ambioptères et j'ai placé les glandes productrices de toile dans les pattes avant ou le bras dans le cas. Dans ce cas, les phases 2 consisteront à infuser de la science brute pour tenter de renforcer la production de toile. Un peu comme... C'est une mantisse qui fait de la toile d'araignée? What? La production de toile est abondante et toutes les échantillons extrudés mesurent le niveau de résistance à la traction bien supérieur à ceux de n'importe quelle arachnide naturelle. Avec les grandes filières situées dans les bras, la production de toile devrait sembler tout à fait naturelle. Tandis que les glandes sont encore assez grandes pour rendre jaloux un certain super-héros lanceur de toile. Je suis certain qu'une éviteur parmi les dangers du jardin est devenue une chose du passé. Waouh. Ni genre on va combattre un monstre mutant, quoi. Incroyable. Bon, allez, on y va. Ça, c'est d'où on vient. Ah ouais. Ah ouais. That doesn't sound like hello. Nice to meet you. Je suis d'accord. Je suis d'accord, petit. On est bon. Ah, on va faire une sauvegarde. Avant que je bouffe mon truc parce que... Ciao down. S'il faut, c'est plus tard. Le combat. Oh, hell no. I'll fight giant bugs all week long, but I'll draw the line at scary ass man bug monsters. Il a réussi, le fou. J'aurais peut-être pas dû manger mon truc. Verrouillé. Ouais, je vais devoir y aller, quoi. I'm feeling more science-y already. Il y a le câble qui est dans sa zone. Donc je vais devoir y aller. I see you. Foreman. Vas-y, fais voir un peu. Foreman. Alors, une immense créature construite par le docteur Wendell Tully, le dernier réceptacle à bord duquel il espérait échapper à son destin, inspiré par le créateur du jeu du rôle de Tam Minotaur. Donc ouais, il a créé un réceptacle pour pouvoir... pour essayer de survivre, en fait. Donc, il est frais, empalé, tailladé. On a la dague. Après, il est résistant au salé, à l'épicé. La dague, ça va être notre arme de choix, je pense. Est-ce qu'on peut faire l'arbalète? Allez, let's go. Tastes good. L'arbalète, sinon, qu'est-ce qu'on a dit? Sinon, la masse, ça devrait faire quand même des dégâts. Putain, il nous faudrait l'épée en froid là qu'on avait. Ok, let's go. Bien du coup, bien. Fait mal. Bah. Oh la vache. Putain de malade.
Ça va, il prend cher. Il prend cher avec la dague. J'adore la musique par contre. Là, il appelle à l'aide. Ah, c'est de la toile. Ok, maintenant c'est 3 coups. Ouais, non. Oh merde. Ok, il y a des fourmis. On va se mettre anti-fourmis. Ah, c'est Fourman. C'est une fourmi en fait, c'est pas une mantis. Enfin, non, s'il a la, il a la gueule, je sais pas quoi. Je sais pas quoi ça ressemble. Si, c'est un machin fourmi araignée qui tire de la toile et des bombes. Non, ça va, on lui fait de... on est bien équipé. Hein. Oh, hell no. I'll fight giant bugs all week long, but I'll draw the line at scary ass man bug monsters. Non, on est bien équipé, je suis content. Je suis content, on va pouvoir se faire. Non, tu prends le... If only chemistry class was this easy. On va pouvoir se le faire sans trop de problèmes. Grub time. Donc ça, et pour ça, on va prendre... fourmi. Eh ouais, fourmi, fourman. Après, c'est peut-être pour ça que cette amélioration, c'est défense et attaque. Parce que peut-être que fourman, du coup, c'est une fourmi. Il est considéré comme une fourmi. Il est considéré comme une fourmi. Est-ce que ça dit que c'est moitié fourmi? Une immense créature. Ouais, mais ils disent pas vraiment. Ouais, non, c'est une fourmi en fait, c'est pas une mantis. Je pensais mantis dans ma tête, mais en fait, non, ça a rien à voir. Ok, on est bon. Let's go. On va boire un coup et on est bon. J'aurais dû manger. J'ai pas voulu manger les barres de céréales. J'étais très con. En fait, je serais pas mort si j'avais mangé les barres de céréales. Je crois qu'on lui fait encore plus mal là. On va bloquer le bon moment. T'as vraiment une sale gueule. Et la fourmi, elle vient ou pas? Elle est là, là-bas. Elle est morte ou quoi? Eh, ramène-toi. Ah oui, c'est vrai. Ah! Quel con. Complètement... bloqué... bloqué sur le fait de me vouloir de me protéger à tout prix. C'était complètement con. Complètement con. Genre complètement bloqué sur le fait de vouloir parer en fait. Ça sert à rien. Mais j'aime bien le combat. Honnêtement, j'aime bien le combat. Oh, hell no. I'll fight giant bugs all week long, but I'll draw the line at scary ass man bug monsters. Et en plus, il a. Science is surprisingly awesome. Il a différentes phases et tout. Je trouve très sympa. Chow down. Tastes good. Très bien le... Oh merde. Spotted you.
J'ai l'impression que les dégâts par contre sont mitigés. Je pense pas qu'on lui fait les dégâts qu'on devrait en fait. Non. Des fois on dirait qu'il y a des coups qui enregistrent pas en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle ou pas? Oh la vache. Ah, c'était pas une explosion. Ok, trois coups. Ok, le troisième, je l'ai paré, je crois. Je me demande si on peut le faire à l'arbalète. Il n'y a pas des roulades dans le jeu. Ok, deux coups. Cette connasse, elle vient pas, quoi. Ah, nickel. Il est scripté pour l'histoire, je crois. Que la vie descend pas comme elle devrait. Oh, voilà. On est bon. Oh la vache. Ok. Oh, gros coup de poing. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Demande de l'aide. Ok, c'est encore une warrior. Ok, bien. Ok, bien. Fait chier. Quatrième, voilà. Quatrième, ouais. Nickel, nickel. Nickel. C'est à moi maintenant. Quatrième, yes. Faut pas ta vie. Ok, t'es presque mort. Ouh! Étranger, monte stérieux. 1000. Ok. Le combat est très très cool. Mais c'est combat d'histoire. C'est-à-dire qu'on voit qu'on le
qu'on lui fait pas autant de dégâts qu'on devrait. Mais en tout cas, ça marche bien. La dague, nickel. La dague de froid, nickel. Elle nous sauve la vie. Elle nous sauve la vie. Nickel. On n'a rien eu par contre. Bah si, 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 on a eu la mutation. Ça. Étrange monster. Vous avez l'impression qu'un allié improbable veille sur vous en permanence. Étranger monster. Je vais voir. On va voir ce que ça fait. Yes. Ça va, c'était super cool. J'ai beaucoup aimé. La musique, elle est méga top. Faut que j'achète la musique, que je la trouve, un truc comme ça. La musique est cool. Le combat est cool aussi. Le combat, ouais, le combat est sympa. Et on était bien bien équipés, hein, là, encore une fois. You may have defeated my mant, but you and your eminent paymasters will never get their hands on the embiggening cocktail. I'll take that secret to my grave. To my grave! What? The watched becomes the watcher. Tully. How does it feel? Doucement. Ah merde, mais on est la nuit. Knowing that you have followed my path right to me, right where I want you. On va le garder. Though you are a bit small for an agent of Ominent. Note détaillant et ce pouvoir naturel de réfrigération de bonbons à la menthe à escape pour conserver les aliments. Quoi? Recette gelée. You cannot escape. Stand there quaking and prepare for your end. Oh la vache, arrête de me parler, j'ai récupéré un truc. Arrête de me parler en même temps. You cannot escape. Stand there quaking and prepare for your end. Un stockage construit pour suspendre utilisant du moment à la menthe et un fusil de science. C'est quoi? Un réfrigérateur? Attends, c'est la mutation qui fait ça? You cannot escape. Non, ok. Stand there quaking and prepare for your end. Que je me suis dit à un moment, peut-être la mutation. You cannot escape. Stand there quaking and prepare for your end. Je pense que dans sa tombe, il doit avoir sûrement... Enfin, j'en sais rien. C'est quoi, c'est un enregistrement, ce qu'on entend? Oh, waouh. C'est ce qu'il est devenu? Waouh. Ah, tu m'étonnes que le mec il voulait un autre corps. I thought you were agents of Ominent. Come for me at last. How should I know what guys Schmechter's agents would come shrouded in? The subterfuges of your ilk know no limits. Still, you do seem a bit young to be in the employ of Ominent. Oh, what have I done? It may have been Schmechter and his corporate goons that pulled the switch, but it is still my invention and my responsibility to think. That you have been caught up in all of this. Your children, not much older than my Sarah or Thor. Oh, what has become of me? Threatening death to children. But
But also, what are you doing here? Well, that's fair. I have no doubt terrible things have brought you here. Terrible things that are undoubtedly my fault. Complètement, ouais. I never meant to hurt anyone. I don't deserve it, but I hope one day you can forgive me. Speaking of forgiveness, please excuse my shriveled appearance. This blasted raisining has taken its toll on my body. My support pod is the only thing keeping me from drying out completely. Like the grape set out in the sun, the body shrivels, withers, desiccates, becoming a husk of what was once a living being. In essence, what you see here before you, in all its unholy glory, the withered man. Well, if you will allow me to check your scabby. You've been in the yard for months. You should be well-raisened by now. Nothing in my research has shown that there is any immunity to it, and yet here you are. Perhaps it is that your youthful bodies are more resistant than others. Ouais, ça, ils avaient expliqué que quand on fait la miniaturisation, là, on... le corps commence à mourir et tout ça. Mais nous, apparemment, on l'a pas, on est immunisé. Likely, this is why Armament was experimenting on children to begin with. Which means... Did Schmechter find a cure? Oh, but I am. I have no doubt. Damn! As much as I loathe the man, I must admit that Schmechter is brilliant in his own way, though his methods can be quite distasteful. We cannot rule out the possibility that he has done it. Could that mean there is hope for me? Je sais. When the reasoning became too much, I realized I had to find a cure before it was too late. I hid here, away from the eyes. So many prying eyes. Armament has always wanted to steal my work. They would never admit its worth and greatness, and yet they would always take it. Especially Schmechter. I have made many mistakes in my life. Countless, really. But one that I will never make again is to allow my discoveries to fall into the hands of that corporation. If I must die for it, so be it. Qu'est-ce que c'était que ce truc de menthe? As you can see, my body has withered away. I created the mant to be used as a temporary body so that I could continue my work. But I never imagined the insect's instincts would remain, let alone gain sentience. I lost control almost immediately. As always, my greatest successes are followed by the greatest failures. Wendell Tully, husband, father, scientist. He succeeded only in the end. D'accord, donc le ouais, l'insecte de base en fait a repris le contrôle du corps, quoi. Enfin, tout ce qu'il a mélangé, quoi. C'est pour ça qu'il a pas pu l'utiliser. My greatest regret. If only there was something I could do to reverse time. Some sort of time machine. The science seems quite clear it would be impossible. And yet I never thought that covalent spacing reduction could be a reality either. Oh, if the raw science could be applied in the way of the time struggle. No, no, the time space continuum. If one found. Oh, but I digress. You see, even if I went home now, my family wouldn't recognize me. Trudy would not see the man she buried.
My children would be repulsed by the bag of skin that speaks with the voice of their father. Home. Oh, yes, yes, of course. Home. Your parents must be worried. So very worried. Mm-hmm. The process is not difficult. You will simply need to brew an embiggening cocktail at the Java-matic machine. The embiggening process is extremely taxing on living subjects. You'll need enough nutrients and proteins to survive the expansion to your original size. We use the embiggening cell to regulate this expansion by way of the secret cocktail. The ingredients in the cocktail, like the keratin in toenails, fortify the skeletal structure as it grows. Unfortunately, there is this small issue of overexpansion. If the subject grows too quickly, they are prone to overexpansion, or in layman's terms, they explode. Good. Oh, la vache. To counter this, sustained infusions of carbon dioxide gas must be added to the mixture. Fortunately, I found a secret ingredient that works perfectly in this regard. Grilled science. Science grillée. Grilled science! Raw science represents the essence of ingenuity, but thrown over the coals of fire, it is tempered by flame, tamed by Burgle's spatula, and emerges as something greater. Plump and juicy. Grilled science. It reminds me of the barbecues we once had in our backyard. Mais vous êtes tous cinglés hein, là-dedans. Oh, Trudy. Sarah. Je l'aime pas vraiment, Wendell, il est complètement fou. The last of the grilled science is in the refrigerated storage room over there. Yay! Oh, désolé, j'ai un coup de barre quoi. Oh la vache, c'est vrai en plus. Science grillée. Il y a plein de repas aussi. Ouais, je peux pas les prendre de toute façon, je sais pas. On va pas virer tout plein de trucs. Juste pour des plats qui vont pourrir, on les laisse tous, c'est pas grave. Même pas j'en prends un, c'est pas grave, ça sert à rien. Ouais, par contre, on a parlé, mais... Are you ready to go? We'll need some grilled science. Good. Good. Then we have everything we need to proceed. I promise, I will get you home. I may have failed my own children, but I will not fail you. Oh, from the mouths of babes. Yes. You may be right. It might not be too late for me. But what is most important is getting you home. We need to head to the Java-matic machine. Je connais ça, la Java-matic. There we can blend the embiggening cocktail needed to run the spacer safely. I'm opening the back door for you. I will follow close. Mm-hmm. Cocktail Lagrange sont déjà obtenu la formule. La Java-matic. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Eh ben, quel bordel, ce truc.
that interesting? Qu'est-ce que j'ai à faire? Cocktail d'agrandissement. Lance grillée. Ah, on en a plus 5. Il nous en faut un de plus, je crois. Il nous en faut un de plus. Bah, de toute façon, on va pas le faire maintenant. Ça, on le fera plus tard. C'est pas grave. On a le temps. Oh, je suis claqué, quoi. Putain. Faire presque 3 heures que je suis dessus. Ah, oh, c'est les termites. Ouais. Oh, tu viens, machin? Et du coup, on peut discuter avec Wendell, rester ici. What's on your mind? Si on rentrait... What the fuck? Attends, c'est quoi ça? Premier ouvrière de feu ORC. ORC? Est-ce qu'il y a des termites normalement ici? Attends, il va falloir qu'on discute. What's on your mind? We need to mix the embiggening cocktail at the Java-matic. Ouais, mais je l'ai pas le. The curse of covalent spacing reduction. My curse. Someday you too will become old, and mark my words, you will remember this moment and the halcyon days of your carefree youth. Assuming we actually get you out of this mess. Non, on va rentrer à la base. Okay, pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des machins là? Attends, moi je veux récupérer les... Ça là. Il y a des... il se passe des choses bizarres, je comprends plus rien. Je comprends que dalle. Le cerveau il marche plus quoi. Ok, nickel. Ah, il faut qu'on prenne des nouvelles missions, tiens, au passage. Ah si, on les avait pris déjà, déjà. On peut peut-être rentrer à la base et aller au... À la limite, aller voir Berg, en fait. Vu qu'on sera chez nous. Nice and safe. Vu qu'on sera chez nous, à la limite. Je sais pas ce que c'était, cette... Cette fourmi là, c'est bizarre. I believe! Cette fourmi là, contrôlée là, je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était à cause de... De la mutation? J'ai l'impression qu'un allié improbable veille sur vous en permanence. Ah non, c'est un allié, pourquoi... Pourquoi on nous attaquerait? Je sais pas, c'est très étrange.
Mais ouais, on va rentrer à la base, on va peut-être aller voir le Burg, le robot, là, vite fait, voir si jamais il y a un truc qui se débloque avec lui, là, parce que vu que, bah, il y a lui qui est revenu, là. On va voir ce que ça donne. Et, apparemment, on peut faire une sorte de frigidaire, si j'ai bien compris l'utilisation. Stockage frais. Ah, fait chier, les éclats de menthe, on en a besoin. Mais peut-être qu'on peut faire du coup de la viande et tout ça et la garder. Genre faire cuire des choses et la garder. Ou même les repas, faire plein de repas et les garder dedans. Ah oui, plein de repas. Ah, ça serait bien ça. Comme ça, on n'a pas besoin de les faire en avance. C'est cool. Ça serait cool. Bah en tout cas, cette aventure était vraiment cool. Hein. Cet épisode était vraiment sympa. Hein, avec Fourman et tout ça, là. Le truc fourmi, là. Le monstre, le monstre fourmi, là. Vraiment, vraiment sympa. C'est bien parce qu'on savait que ça tirait des toiles d'araignée. On savait qu'il s'attirait des toiles d'araignée et tout parce que on l'a lu en fait. C'est pour ça que c'est vachement bien en fait dans le jeu. Parce que plus on lit des choses et plus on lit les panneaux, là, les tableaux et tout ça, les documents et tout, plus on en sait en avance en fait. Sur ce qui se passe. Oh. Ok, d'accord, il y a plus rond sur la tour. Tout à fait normal. What the fuck? Pas mes soins en plus. It's no women crying, but it's better than nothing. Il se passe putain de quoi? Faire du soin. Trop bien, trop bien. Assez. Merci, hein, machin. Sur c'est ta faute. Faut tout remettre, quoi. On verra ça après. On verra ça après. On va aller voir le robot d'abord. Ah mais attends, je les attaque les trucs. Mais si c'était... Mais attends, si c'était des amis en fait... Des alliés avec la mutation. Parce que c'est vrai que c'était... Enfin non, si, c'était agressif envers moi, on est d'accord. Je comprends rien du tout. Là je comprends rien. L'autre, il me suit toujours ou pas? Ouais, il me suit. Bon, attention, il se débrouille.
Encore que j'ai des ressources hein, pour tout reconstruire. Il est où le robot? Et regarde! D'accord. Donc, bah rien du tout, du coup. C'est bien. C'est bien. Bah, je suis un peu déçu là. Même pas de conversation, rien. Ouais, non, mais en fait, s'il faut, je tape les trucs, mais c'est des alliés. J'ai de la merde. C'est pas grave. C'est peut-être ça la mutation en fait. C'est que des fois, on tombe sur des créatures. Mais je suis sûr que la fourmi, elle m'a attaqué. Hein. Et l'araignée, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Je suis fatigué, ok? Ça va faire presque 3 heures, je suis fatigué. What's on your mind? Pas tout ce qui s'est passé. Well, that's quite a lot. Could you be more specific? C'est quoi l'histoire avec Berg? An early dream. A testament to my skills as an inventor. A useless robot. My final companion. What do you want to know? Enfant, femme, cœur de vous et chemin, pourquoi avoir fait tout ça? Pride, hubris, the desire to change the world. Eventually, I could not turn back. No matter what it cost. Look on my yard work, ye my... Ah, ok. Très intéressant. Bon, je voudrais bien trouver un autre... insecte avec le machin, là. Elle est où, ma base? Elle est là. Je couperai la vidéo par an, parce que je vais pas mettre un truc qui fait plus de 3 heures quoi. Having a little peep. Non mais t'es pas gentil toi. Ah, d'accord, Tisseur GROC. Tu fais méga mal en plus. Ça, l'éclair, il fait tout péter, ça c'est un peu abusé quoi. L'éclair, il est en train de faire tout péter à chaque fois. Faut pas que je combatte ici. Faut vraiment pas que je combatte chez moi, merde. Non, non, on est d'accord, c'est bien des ennemis, quoi. Puis ça fait pas qu'un peu mal, quand même. Hein. Je sais plus ce qu'il faut faire pour recréer ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant ce système pour placer.
De la soie, des tiges, des cordes, du gravillon. On fait ça, puis on s'arrête. On fait ça, on s'arrête. Mais en tout cas, ouais. Quoi? Ça, mais putain de... Mais sans déconner. C'est du feu en plus, putain de merde. Je crois que lui c'est là. Yeah, bien joué, merci. Récepteur. Appareil électronique miniaturisé, vous pouvez récupérer des matériaux dessus. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. Genre, c'est vraiment à cause de la mutation que j'ai ça? Je comprends pas ce qui se passe, aidez-moi. Oh la vache. Ou alors c'est les Omninants là qui nous envoient des trucs. Je peux rien moi. Bref, je voudrais réparer tout ça, puis après on se dit au revoir. C'est juste que. Gravillon. Tige. Gravillon. Ok, ça marche. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça en fait. Les tiges. Il m'en reste pas beaucoup en plus. Ok, nickel. Voilà, nickel. Ah, on va s'arrêter là. Je comprends pas ce qu'on peut en faire avec. Genre, ça permet de récupérer des ressources. Ça veut dire quoi ça? Ok, maintenant on peut faire ça. Ah tiens, du coup on a appris ça automatiquement, je crois. Ou je l'ai acheté. Non, je l'ai acheté. Genre. Fais voir. On a quoi d'autre? Ah oui, on a les toits. Ah, on a des toits spéciaux. Qui étaient en toit chaud. Ah, pas mal. On a de nouveaux toits. On en a un seul, celui-là. Qui est en biais comme ça. Intéressant. Appareil électronique miniaturisé, vous pouvez récupérer le matériau dessus. Ouais, pour le moment on peut rien en faire. Bon bah c'est pas fini, hein. Il y a encore plein de trucs je crois à prendre dans le jeu. Il y a vraiment encore plein de trucs. C'est un peu incroyable. On va mettre ça là, très bien. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a bien avancé. J'étais assez content là de ce qui s'est passé. C'est vraiment cool. Mais là ça devient un peu inquiétant tout ce qui se passe. Je crois que en gros maintenant on va se faire attaquer par des trucs bizarres et le robot il va nous suivre tout le temps. Jusqu'à ce temps qu'on crée le produit. Et pour le moment, on peut pas. Il est où le produit?
Attendez, j'ai des pierres à utiliser. Ah, très bien. Nickel. Ça. Il me faut juste un seul ongle. Donc honnêtement, bon, c'est facile à aller récupérer. Et après, on peut faire le cocktail. Donc c'est pas très compliqué honnêtement. Ça marche. Je vais peut-être aller le récupérer moi-même de mon côté. Comme ça, le prochain épisode, on avance directement en fait dans ce qu'on doit faire. Je pense que ce serait peut-être une meilleure solution, une meilleure idée. Ah, donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Moi, je vais regarder la mutation, ce qu'elle fait aussi. Les ORC, là, d'où ça vient. Ouais, faut que je regarde ce que fait la mutation et les ORC. À la prochaine. Ciao, ciao.